Allez, bonjour à tous. On arrive à Rodillan. Rodillan pour une abrivado bandido de la manade Colombé. On est jeudi, 19h. Petite abrivado bandido. En plus, à côté de la maison, à côté de Nîmes. Avec la manade Colombé. Donc ici, à Rodillan. Donc vous nous expliquez un petit peu combien de taureaux il va y avoir, quel passage. Eh ben donc ce soir il va y avoir 6 taureaux pour la bandide à Rodillan. D'accord. 6 taureaux un peu spéciaux. Ce soir on est dans un pays d'aficionados. Donc j'ai vu qu'il y avait quelques attrapailles quand même. Hein. Ils vont les arrêter, vous pensez, ou c'est des neufs qui ne vont pas pouvoir arrêter? Je pense, c'est des taureaux là, les 6 taureaux qu'on a ce soir, ils sont pas vraiment dressés, ils ont tous quelque chose de mais tant mieux, c'est particulier. Ce qu'on veut. Ben, c'est ce qu'on veut, on va voir ça. Ils risquent d'avoir un peu d'étincelle, c'est des taureaux un peu pétillants. Ah ben tant mieux. Donc on va voir si les attrapailleurs de Rodillan arrivent à les attraper. Allez. Et surtout proprement, parce que sinon... Ben, il faut râler, mais je râle moi aussi en filmant. Chaque fois que ben, ça ronge un peu, ben, je suis le premier à râler sur les jeunes, donc il ne faut pas hésiter à leur râler dessus. Et puis on va voir comment ça va se passer avec vos taureaux quoi. Donc ici à Rodillan, autour de Rodillan, je vous ai rarement vu. Vous êtes plutôt dans le 13, vers le Palu de Nove, là où vous êtes, je crois. On est plutôt dans le 13, autour de Saint. On fait quasiment toutes les bouches du Rhône, là où il y a des taureaux, bien entendu, jusqu'au Sainte-Marie de la Mer, et on passe le Rhône surtout pour venir ben, sur Rodillan. Sur Rodillan et quelques villages aux alentours. Donc après Rodillan, on pourra vous voir où cet été, ici dans le Gard? Dans le Gard, on fait Rochefort du Gard, Orsan, Gaujac, Bagnols-sur-Cèze. Bon, c'est déjà pas mal. Tresque aussi, on y va. On mène 10 abrivades à Tresque cette saison. Et voilà, peut-être Nîmes, on verra, c'est dans ce confirmé. Allez, impeccable. On reste plutôt chez nous dans les Bouches du Rhône. Allez, merci à vous et bonne bandide. Dans 5 minutes, ça va démarrer. Ça y est, la bombe a éclaté. Bon, c'est un parcours fermé hein, au centre village. Salut les jeunes. Je t'aime trop. Merci, c'est gentil. Allez, voilà, comme je disais, parcours fermé, ça va démarrer. Tous les soirs, je regarde tes vidéos, tu me régales. Merci, c'est gentil. Allez, à 3 taureaux. Bon, pour le premier passage, ça n'arrête pas. Très étonné. Il y a du monde. Ah, ça ouvre devant. Non, c'est bon ça. Thank you.
Tutsi. Bon, sur le dernier passage, ça a pas mal rongé, donc la gardienne a gueulé là. Bon, c'est normal, hein, ça ronge. Voilà, il n'y a personne. Comme ça a gueulé le dernier passage, les jeunes, ils n'ont pas voulu s'arrêter à ce passage-là. Je ne sais pas s'ils reviendront. Bon, celui-là, il n'est pas emmaillé. Bon, ce passage-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. À mon avis, ils ont voulu laisser le libre dès le départ. Allez, ça bouge, donc il y a encore un dernier passage dans les deux sens. Non, c'est le dernier. Là. Allez, c'est bien, il y a Jojo qui était à la tête, c'est pas mal. Voilà, je sais pas si c'est fini ou s'il y a un dernier passage. Allez, ils vont ouvrir le camion pour le passage à l'ancienne. Voilà, passage à l'ancienne, il n'y a personne, il n'y a pas de chevaux devant. Ah, c'était la spécialité des deux. Le passage à l'ancienne, ils attendaient que ça, Sean. C'est Sean encore, hein. Ils attendaient que ça. Allez, donc après le passage à l'ancienne, c'est fini. Merci les amis d'avoir regardé la vidéo. On partage. On n'oublie pas. Donc on était bien à Rodillan pour cette Abrevado Bandido, celle de 19h, hein, parce qu'il y en a une autre après le soir.